Yo, c'est Joe, je serai ton hôte chez 1000 Skateboard. Dans cette vidéo, on va t'expliquer pourquoi notre première expédition a échoué et notre vision pour la nouvelle aventure 1000 qui commence ici. Avec Rico, notre talentueux graphiste, on crée des boards depuis 2016. A l'époque, on forme une assoce à but non lucratif pour pouvoir vendre nos boards en SketchUp. On rencontre alors pas mal de trucs pas fun à faire, comme la paperasse, créer un compte bancaire dédié à la sauce, la compta, gérer les stocks, courir après les shops, gérer un team et parler business. Parce que mine de rien, c'est de l'argent. Je te la fais court, mais en gros, on parlait plus de tous ces trucs que l'on skatait. Et nous, on s'en fout un peu de toutes ces conneries, tout ce qu'on veut, c'est créer des boards. Donc ça nous a vite gavé, et on a décidé de mettre ce projet entre parenthèses en fermant notre compte bancaire en 2019. Un beau jour de 2021, j'ai Rico au téléphone, et là on se dit, c'est dommage d'avoir arrêté 1000. Ok, si on repart, c'est très simplement. Nous, tout ce qu'on veut, c'est mettre sur des boards les idées qui circulent dans notre cerveau, et partager ça avec les copains que ça intéresse. On cherche pas à vendre comme des dingues. Donc pour la nouvelle aventure, on part avec ses bases. On fait imprimer nos boards avec Promodel Deck, un fabricant espagnol vraiment à l'écoute et qui nous propose des offres vraiment top à un prix tout à fait abordable. On n'a plus de team, c'est trop galère et tout le monde s'en fout, mais on filera de la board à Balargue pour qu'il les fasse gagner. Étant donné qu'on n'a plus de compte dédié à notre toute petite marque, je vais gérer cet aspect avec mon propre compte. On vendra les boards sur Instagram au prix de 80€ et je t'enverrai ça par la poste. Alors, pourquoi 80€? Rassure-toi, on n'est toujours pas là pour faire de l'argent. On veut plus d'un stock de barges comme à l'ancienne. Donc on produit seulement 5 boards à chaque commande, ce qui me coûte 335€ avec les frais d'envoi. On divise par 5, cela nous revient à 67€ l'unité. L'envoi en France métropolitaine avec la poste est à 9,15€, donc on est à 76,15€. On se fait moins de 4€ par board. On va pas devenir millionnaire avec ça, surtout avec les quantités que l'on produit. Tu sais tout. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce qu'on avait à dire. Go skate, dude!